le champion. Il sera fistol. Toutes ces années sans anacro. Pas une fois je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. Et là, d'un coup, sans prévenir, crac. Oh, toutes ces années perchées d'hygiène. Quelle figure, quelle énergie. Enfin, druide, c'est pas un malheureux pied cassé qui va t'empêcher d'y retourner dans les arbres. Oh, tout Atis. Serait-ce toi? M'invites-tu en ton abalon la secrète où les pommes poussent toute l'année? Il parle de pommes. De pommes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai entendu pommes. Pourquoi est-ce qu'on choisit forcément le plus sourdingue pour aller écouter aux portes? Il s'est choisi tout seul. Vous savez ce qu'il vous dit, le sourdingue? Une petite baisse de forme, ça arrive au meilleur. Panoramis, écoute, sois raisonnable, quoi. Un peu de tonus. C'est pourtant pas ton genre de te laisser aller comme ça. Tu as raison. Je ne dois pas me laisser aller. Ben voilà, ah, je préfère entendre ça. Notre bon druide qui reprend les choses en main. Je dois prendre les choses en main. Voilà, ça, ça fait plaisir. En tant que druide et doyen, je dois faire face à mes responsabilités. Exactement. Allez, une aire. Un homme véritable se reconnaît face aux choix difficiles. Parfaitement. Ben là, je sais plus trop quoi on parle, mais oui, bravo. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Voilà, bravo. Quoi? Quoi?